Applaudissements sur les claviers, s'il vous plaît. Regarde, vous avez fait un bob, vous croyez ça? Un bob, je danse avec ma femme. On en a pas. Merci. On va faire une chanson, on va vous amener à la Nouvelle-Orléans, une chanson de monsieur Alain Toussaint. C'était pas arrivé, tranquille, c'est sort de ma vie, chérie, mais pas ici, hein. C'est pas pour les filles du Franqui qui sont en vacances ici. Et c'est spécialement pour le jeune couple là, parce que maintenant, la jambe cassée de monsieur, elle est réparée avec la carte infirmière honorifique du groupe Dr. Pickup. Donc c'est pour le jeune couple. love me no more. Get out of my life, oh woman, you don't love me no more. Get out of my life, woman, let me get on with mine. Thank you very much. That was une chanson d'Alain Toussaint. On a encore une chanson de la nouvelle. Comment on est arrivé à l'organe? Alright, on va rester à la Nouvelle-Orléans. On va faire une chanson maintenant. C'est de Sonny Landre et le titre c'est Congo Square. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire que, où et qu'est-ce que c'est la signification de Congo Square, la Nouvelle-Orléans? Bon, Congo Square, c'était à l'époque où Napoléon il a vendu la Louisiane pour $50 000. Il y avait dans la Nouvelle-Orléans un carré, comment on dit ça, une place, un bon jardin ou quelque chose, ok, une place qui était appelée Congo Square, un square, un square. Okay. Congo Square, c'était où on vendait les esclaves. Et je pense qu'ici à Le Franqui on appelle ça pôle d'emploi. All right, are you ready for Congo Square? Gallagher. Je sais pas, je pense que c'est une des dames ici, c'est soit la table 36, la 34, je ne le vois pas sur mon Global Satellite Positioner parce qu'il n'est pas très... Oui, voilà. J'ai pointé le doigt. Bon, c'est la dame là avec son... Derrière le musicien là, c'est le couple... Voilà. Et c'est une chanson de monsieur Johnny Guitar Watson. C'est pour le jeune couple là. On sait c'est votre deuxième week-end ensemble. Et on est très contents. Vous êtes en train de parler combien des enfants vous allez en avoir. Donc, ici, une chanson de Johnny Guitar Watson pour le jeune couple là. Looking back. Ah voilà, c'est back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. I must have tried to feel the smile. I must have been a very right child. She was a very messed up road. That's so I could ride on home. I was looking back to see if she was looking back to see if I was looking back at her. She was a very messed up road. Looking back at De M. Freddie King, tout ce que vous avez entendu jusqu'au moment, c'était que des compositions du groupe. Comment on appelle ça en français? Des compositions. Ah, des compositions, ok. Matériel original, et rappelez-vous, Noël arrive après les vacances d'été, donc... Pourquoi il dit ça, Noël? Quoi, parce qu'à 10 euros, vous pouvez nous ramener à la maison, et ça dure toute l'année, plus que les duels, plus que d'autres choses, plus que les vacances, et donc... Vous avez des CD ici, si vous prenez les trois pour les familles nombreuses, comme le jeune couple là qui est en train, ils ont décidé qu'ils vont avoir 4 enfants, c'est 30 euros les trois CD. Okay. Donc, en 1969, après le concert de Bangladesh, après Mad Dogs and Englishmen avec Joe Cocker, M. Leon Russell, il a décidé de faire une compagnie de disques qui était Shelter Records. Et le premier disque qui était sorti, c'était un disque de M. Freddie King, 001 sur Shelter. Et la quatrième chanson, c'était The Same Old Blues, écrit par Don Wicks. Et ce soir, on va téléporter cette chanson pour vous, au bleu, au Franqui. The Same Old Blues. Monsieur Curteau. Maintenant, on va voir si vous pouvez murmurer et chanter avec nous. Life's a Bitch. Allez, dorme. Allez, dorme. Life the bitch. C'est pas un ice bitch. Ice the bitch. Ice the bitch. Ice Au Bleu, au Franqui, et donc la direction m'a dit que pour toutes les tables de deux couples ou quatre personnes, s'il prend quatre bouteilles de champagne, la cinquième est gratuite. Ok, donc, et si vous prenez quatre bouteilles de champagne, Dr. Pickup vous offre un CD valeur 10 euros. Donc rappelez-vous de la devise du docteur, plus que vous buvez, mieux que la musique sonne. Et aussi plus de calories que vous allez perdre quand vous jouez ici, quand vous dansez. All right, maintenant, on va faire. tiens. Tout le monde, all right, ok. On va faire la question pour les amoureux. On va voir s'il y a des dérives. On va demander à eux deux, voilà. Messieurs, quel est l'état de la Lune aujourd'hui? La moitié. Ah oui, mais bon, on voit les vraies amoureuses. C'est toujours les filles. C'est pas tous mes petits amis. On est là, elle dit, tu vois, c'est la pleine lune, chérie. Oh, tu vois, c'est demi-lune ou Saint-Caroline et tout ça. Bon, c'est pour la jeune dame là-bas et c'est pour ma prochaine ex-femme alors. Et c'est Full Moon Woman, la femme de la pleine lune, all right? to Jaja's. Ain't no radar gonna stop you. Come on home, baby. All is forgiven. Even your crazy times at the Dr. Pickup concert. These are baby. No one's watching. Jusqu'à 4 heures du matin. All right, ok. Je vous présente le programmateur de la soirée. Faut pas que vous les applaudissez très fort. Excusez-nous, s'il vous plaît. Une dernière quand même. Et une bonne dernière. Wall Street, bon, on va faire Wall Street. Bon, on est jusqu'à la fin de notre deuxième set et on n'a que 5 sets ce soir. Mais bon, on va aller sur la plage là en face, on va faire un grand. Exactement, on fait quelqu'un qui va manger. Alright. Et vous êtes en train d'écouter Dr. Pickup. On vous adore. C'est la première fois qu'on joue au Franqui. J'espère que c'est pas la dernière fois. On veut que vous vous applaudissez parce que c'est la meilleure audience qu'on a jamais eue au Franqui. Et bon, on va faire une maintenant. Et non seulement c'est pour toutes les super filles qui sont ici ce soir, et pour tous les mecs, mais c'est aussi pour vos petits-enfants, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, vos arrière-arrière-petits-enfants. C'est pour 150 années de génération à venir. Selon mes calculs, c'est 158 années. Ok? Et c'est même pour Carrie et Christophe et Julien, et tout le staff aussi. On va vous applaudir. Et comme le dernier morceau, we want you to go crazy. On veut que vous allez complètement dingue. Vous avez vu les danseurs ici et tout ça. C'était bien tout ça. Donc on va faire une chanson de notre disque numéro 3, The Wall Street Blues. Et c'est pour vous et pour 150 années de génération à venir. The Dr. Pickup, we love you. Le patron, peut-être si vous nous aimez, vous lui dites et il va nous reprogrammer. We love you! Good night!